Les amis meufs, ouais, tu seras toujours le numéro un dans mon cœur. Je vais être le numéro un dans ton cul, moi. La vie de ma mère, c'est vrai, j'en ai marre. Le cœur, c'est bien beau, mais bon. Tu as parlé à des meufs, coucou, comment tu vas? Moi, c'est du sérieux ou rien. Si tu veux me parler, c'est la bague au doigt. L'autre, Rachid de Roubaix, le chômeur, il te met des doigts et moi, je te mets la bague au doigt. T'as craqué ou? Tu as parlé à des. Ça me fout les boules, les meufs. Elles sont là, ouais, t'es ma vie, t'es l'amour de ma vie. Une semaine après, elles te quittent. Dis pas t'es ma vie, dis t'es ma semaine. Oula, t'es ma semaine, bordel. Ça me fout les boules. Ça me fout les boules. Attention aux amis meufs. Oula, une amie meuf, ça sert à rien. Ça sert juste à aller lui dépanner d'essence à 2 h du matin en plein hiver. Oula, les amis meufs, à quoi ça sert? La vie de ma mère, quand elle est en galère, elle t'appelle. Et quand elle va bien, elle roule des pelles à un autre. Oula, c'est vrai. J'ai compris un truc avec les meufs. Quand une meuf, elle te dit ce mec, c'est un chien, c'est parce que ce mec, il veut pas d'elle. Tout simplement. Oh là. C'est pas ton cœur qui va me sucer. La vie de ma mère. Et c'est. On en parle des. Et c'est toujours les chiennes qui disent les mecs, c'est tous des chiens. Tu te comportes comme une chienne, tu finis avec un chien. Comporte-toi comme une tortue, tu finiras avec une tortue. Tout simplement. Et c'est. On en parle des meufs sur Instagram, sur leur profil. C'est marqué directrice marketing à Louis Vuitton. Qu'est-ce que tu racontes, sale menteuse, va? Oh là, manager chez Zara. Oula, chez Sarah, ouais. Oula. T'es manager chez Sarah, ta copine. C'est tout ce que tu fais. Et va faire des tiramisu, lui demande tir. Quand tu sors avec une meuf. Oula, la meuf, tu la récupères, elle est en chien. Et quand tu sors avec elle, comme par hasard, il y a tous ses ex qui lui écrit. Ouais, il y a mon ex, il veut me demander la main. Il veut te mettre des mains. Oula, c'est tout ce qu'il veut. La meuf. Tu sais, quand t'es en couple avec une meuf, elle veut te rendre jaloux. Il y a un tas de mecs qui voudraient de moi. Il y a un tas de mecs qui voudraient te baiser. Mais combien voudraient t'assumer? Il y en a combien? Zéro. Oula. Le pire, c'est quand t'es en couple avec une meuf, elle te dit, ouais, je dois aller voir mon ex une dernière fois pour lui donner ses affaires. Tu vas lui donner ton cul, on le sait. Arrête de me prendre pour un con, bordel. Quand tu parles avec ta meuf, tu lui parles de son ex, elle te dit, me parle pas de lui, ce chien, ce gros bâtard. Tu peux être sûr qu'elle est encore amoureuse. Oula. Quand t'insultes, c'est que t'aimes. Oula. Quand tu... Ouais, les potes meufs qui manipulent leurs copines, tu vaux mieux que ça, tu mérites mieux. Tu mérites mieux? Le mieux, c'est rien. Oula. Le mieux, c'est le vent. La vie de ma mère, c'est le vent. Oula. Je dis ouais, faut que tu trouves une fille qui te ressemble. Pas du tout, oula. Si je trouve une meuf que je ressemble, je suis dans la merde. Imaginez la gueule du gosse. Oula, un alien avec des grandes oreilles. Je dis ouais. Oh, il y a plein de meufs moches, elles font les belles, mais c'est pas de leur faute, c'est à cause de nous les mecs. Si on ferait pas autant les chiens de la casse avec les filles, elles feraient moins les belles. Oula, c'est à cause de nous. La meuf, elle est toute moche, il y a 40 mecs qui viennent la draguer. Oula, c'est la belle et ses princes. La moche et ses princes. Oula, l'île de la tentation, la vie de ma mère pour elle. T'imagines? La meuf, elle est moche, elle reçoit 40 messages dans la journée. T'es trop belle, t'es magnifique, t'es la seule à qui je parle. Et elle y croit en plus, elle y croit. Et après, on est dans la merde, nous, à cause de vous, la vie de... Ah, nous, les mecs, on est des putains de menteurs avec les filles. Voilà, la fille, tu lui parles, t'es la seule à qui je parle. Elle, elle te dit quoi? Arrête tes disquettes. C'est plus une disquette, là. C'est un disque dur, voilà. À cause de certains mecs chiens de la casse, il y a plein de meufs qui croient qu'elles ont la cote avec tout le monde. Il y a plein de mecs qui veulent de moi. Il y a plein de mecs qui veulent te baiser. La vie de ma mère, c'est tout. C'est... Et ouais, si tous les mecs, on envoie des messages aux meufs, c'est normal qu'elles font les belles à la fin. Moi, ce que je propose, c'est que pendant 24 heures, une grève nationale. Plus de messages aux meufs pendant 24 heures. Voilà. Après, t'as les meufs qui se rassurent entre elles aussi sur Instagram. T'as une meuf, elle met une photo, elle est super moche. T'as sa pote, elle commente la plus belle. Et elle, elle répond, c'est toi la plus belle. Et l'autre, elle surenchère, non, c'est toi la plus belle. Non, c'est toi, non, c'est toi. Vous êtes tous les deux moches. Oula. J'ai jamais vu des hypocrites comme les meufs. Quand une meuf, elle met une photo, t'as toutes ses copines qui commentent. Waouh! Ouais! Arrêtez de mentir! Oula, arrêtez! J'ai...
Et ouais, les potes meufs, dites la vérité à vos copines en commentaire. Ou là, si ta pote, elle est moche, tu lui dis en commentaire, coucou ma belle, je t'aime trop, mais physiquement, t'es pas au top. Dis la vérité. Ou là, dis la vérité. Le marque à chaque fois, la plus belle, t'es la plus belle, tu peux avoir le mec que tu veux. Tellement qu'elle peut avoir le mec qu'elle veut, elle en a pas. Ou là, c'est incroyable. Ça me rend fou, ça. Une meuf moche qui a mis une photo sur Instagram. Sa copine, elle commente la plus belle de toutes. Et elle, répond merci. Mais tu crois en plus, bordel? Comment tu fais pour y croire? Ça... Voilà, les mecs. Faut qu'on arrête d'envoyer des messages à toutes les meufs comme des chiens. Nous, les moches, on baise pas. Y a que les beaux gosses qui baisent. Donc maintenant, c'est ou tout le monde baise ou personne. Ou personne. La vie. Voilà, les mecs. Y a que les beaux gosses qui baisent. Et nous, les moches, en plus qu'on baisse pas, on se tape la honte. Ou là, on envoie des messages comme des bâtards. Au final, on baisse pas. Autant pas envoyer de message. La finalité sera la même. Oula. Je parle avec une meuf, là, on discute. Elle me dit, ouais, j'aime bien ton côté marginal. Moi, j'aime bien ton tunnel vaginal, ouais. Non, non, on veut baiser. Macron, t'es foutu. Les branleurs sont dans la rue. Macron, t'es foutu. Les branleurs... Non, non. C'est ça, les meufs. Y a 40 moches qui va lui écrire. T'es en couple? Non, je suis célibataire et c'est bien comme ça. Y a un beau gosse et lui crie, il la baise. Ou tout le monde baise ou personne. La vie de ma mère. Les meufs qui nous disent, ouais, t'es l'homme de ma vie. Une semaine après, elle te quitte. Dis pas t'es l'homme de ma vie. Dis t'es l'homme de ma semaine. Voilà, dis la vérité. On en parle des meufs, la nouvelle génération de meufs qui s'inscrit au foot amateur que pour se faire pécho par des footballeurs. On le sait. Oula, elles s'en battent les couilles du foot. Elles veulent juste des footballeurs. La vie de ma mère. Et on en... Ouais, Momo, quel est ton style de... Et on en parle des meufs, la nouvelle génération de meufs qui s'inscrit au foot amateur que pour se faire pécho par des footballeurs. On le sait. Oula, elles s'en battent les couilles du foot. Elles veulent juste des footballeurs. La vie de ma mère. Et on... Ouais, Momo, quel est ton style de meuf? Tu crois que moi, en tant que moche, j'ai un style de meuf? Mon style de meuf, c'est la première qui veut de moi. C'est tout. Ouais. La vie de ma mère, pour percer dans le foot amateur, faut que ta daronne, elle suce l'entraîneur. Oh là, l'entraîneur, il est là. Alors, mon petit Joël, ta maman, elle vient ce week-end. Tu lui diras qu'il y a une tambola au siège, qu'elle passe nous voir. La vie. Au quartier, il y a toujours un mec qui vient te voir, frérot. Attention aux jaloux. Le mec qui te dit ça, c'est lui le plus gros jaloux. Faites gaffe, les amis. La vie de ma En même temps, comment tu vas arriver à quelque chose quand t'es issu d'un quartier? Tout ce que tu entreprends, oh là, on te le prend. On se fout de ta gueule dans un quartier. Oh là, toujours tes collègues te démotivent. La vie de ma mère, t'es à deux doigts de percer dans le foot. Lui, te dit quoi? Frérot, laisse tomber. Viens, on va faire des sous. Viens, on va faire des soucis, ouais. Oh là, les collègues, ils te ramènent que des soucis. La vie. Un exemple, si t'es humoriste, tout ton quartier, il se fout de ta gueule. Oh là, à part si tu fais des sous. C'est la seule condition. Oh là, ils respectent que ça dans les quartiers, que l'argent. Que ça, moi. Quand t'es dans un quartier, tu veux entreprendre quelque chose, les gens, ils te mettent pas des bâtons dans les roues. Oh là, ils te volent tes roues carrément, mon frère. Oh là. N'écoutez jamais vos collègues du quartier. Wallah, ils vous mettent pas des bâtons dans les roues. Ils vous volent vos roues carrément. Vos jantes, tout ce que tu veux, frère. Tes espoirs, c'est la vérité. Wallah, tes collègues te disent, tu vas à l'école faire des études. À quoi ça sert le bac? Ben, à pas se faire soulever par la bac, déjà. Ouais. Premier point intéressant. Ouais. Les amis, la vie de ma mère, tout sur force sur mer. J'étais obligé, hein. Club des Bouches-du-Rhône. Avant, je bossais à l'usine là-bas. Wallah. C'est un signe, les amis. L'histoire est belle. L'histoire est belle. Putain, dire que je voulais miser Messi buteur, les amis. Oh là. Oh, j'aurais pété un câble. Au dernier moment, j'ai changé d'avis. Heureusement. Putain. Parti, les amis. Regardez Messi d'où il part loin. Regardez comme il part de loin, Messi. C'est lui qui va marquer à la fin. Regardez. L'air de rien, chômeur. Regardez ce chômeur. Et là, ça va. Là, ça va accélérer. Bim. Une, deux. Pam. Pam. Bim. T'as vu? Bim. Boum. Et ta grand-mère. Lionel Messi, tout seul. Tout seul. Tout seul. Incroyable. Incroyable. Il ne veut plus s'arrêter. Oh là. Voilà, allez Lionel, bim, bim Lionel, tout seul. Voilà, il fait la passe à personne, ils sont tous nuls. Oh là, ils sont tous nuls. Allez, tout seul, tout seul, tout seul, oui, oui. Oh, penalty, penalty. Oh là, l'arbitrage vidéo.
Hey, ils abusent à mettre des cotes à 1,40 et 1,50 pour Messi buteur. Voilà, ils abusent. Voilà, les buteurs, c'est minimum 4 normalement. C'est dur de trouver un buteur. La vie de ma mère, c'est dur. Hey. Donc les amis, à tous ceux qui ont misé Messi buteur et qui ont perdu ce soir, je suis déjà passé par là. Quand il y a eu Barcelone-Liverpool, j'avais mis 1000 euros sur Messi. J'avais déchiré son maillot tellement j'avais la haine. Voilà. Donc les... vous avez peut-être perdu la bataille ce soir, mais vous avez perdu aussi de l'argent. Oui, la daronne sur une île. La... Oui. Incroyable, c'est plus Osimhen, c'est Eminem, la même coupe, voilà. Tous les mecs qui sont nuls au foot, voilà, vous n'avez pas le droit de faire des teintures. Les mecs qui sont nuls au foot, pas de teinture, pas de tatouage, pas d'interview et pas de meuf. Voilà, pas de... Chouané. Les écoute pas Momo, tu es le meilleur, tu leur chies à la gueule, ils sont tous jaloux de toi Momo, t'es un putain de winner, eux c'est des putains de losers, ils ont pas de meuf, pas d'amis, pas d'argent, toi t'as tout Momo, tu leur chies à la gueule Momo, les écoute pas Momo, ils veulent t'embrouiller, ils veulent te faire croire t'es qu'une merde, mais t'es pas une merde Momo, t'es pas une merde, t'es le boss, t'es le Hugo Boss, t'es le King, le Burger King, et tu soulèves des strings, t'es le meilleur Momo. J'en ai marre, oh là j'en ai marre. Oh là j'en ai marre. C'est la fin, oh là. J'en ai marre. Allez, pourquoi pas? Allez, 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 cavale, cours, paillette, cours, tire. Mais ta grand-mère va, ta grand-mère.